Kumpori juu ya kuproteje inji yetu. Alafu, tunashangala Munyarwanda mtoto kama Inosbi anajita. Tunashangala huu mtoto kusema atafanyisha kose hapa muvile ya Goma. Kwa hiyo tunametre agarde viongozi wetu, gouverneur, maire de la ville, hii kosere shie wazalendo tumekatala. Na yote tatokea hiyo siku mkeitika hiyo kosere ikue, itakuwa kuvichwa yenu. Ndio maana tumesema kuanzia leo na makaliko zote ambao ziko muvile. Wa bengine bote baanze zitosha. Na ye mwenye anze tosha zile makaliko zake. Sababu hatutaki ile kosere yake muvile ya Goma. Na hii kosere tunaikatala juu ya kusema. Anatutemea sisi wazalendo ambao tuko na chunga inji. Ile maiforo zote president la republika kuna faa ya kusema aproteje inji ya Congo. Inosibi amezitemea ako mate. Ndio maana tunasema na makaliko. Na wote walikuwa washauza hizo mabie. Mumrudishie mabie zake hatutaki ile kosere ikue mgoma yetu. Ingeta. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Merci de votre fidélité. Vous nous suivez de partout. Ce matin, nous recevons monsieur Jacques Sinzaera. Il est militant, il est déjà en tout cas actif au Nord Kivu qui milite pour les changements dans ce pays. Monsieur Jacques Sinzaera, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aux téléspectateurs de Congo Live Télévision. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. D'accord, nous avons 20 bonnes minutes pour décrypter quelques questions d'actualité. On commence par cette nouvelle. Nous avons appris depuis d'ailleurs le début de cette semaine qu'il y a eu reprise des affrontements dans les Masisi. Nos sources locales affirment que ces affrontements, ces combats en tout cas, oppose les M23 et au groupe d'autodéfense dans les Masisi. Hier, nous avons appris que les M23 auraient pris le contrôle des Kahira, un groupement de Bachali Mokoto. Qu'est-ce qui se passe entre les Ouazalans et les M23, Jacques? Qu'est-ce qu'on peut retenir quand on sait? Au fait, c'est que moi je pense qu'on doit lancer un appel patriotique à toute la population et nous devons aussi comprendre que notre pays est infiltré. De part et d'autre, de par les Ouazalendo, de par les FRDC et de par même nos institutions de la République. Parce qu'il y a les Ouazalendo qui jouent au jeu de l'ennemi. Nous pensons tous que le gouvernement coordonne un peu les opérations militaires en province et qu'il y a le lieutenant général Ndima Constant qui est le commandant des opérations et que c'est lui qui pourra donner le go d'attaque ou le go de reprise. Des affrontements. Mais on ne sait pas si ça vient d'où ces attaques-là, et on ne sait pas si ces compatriotes jouent le jeu de l'ennemi ou soit ils jouent à faveur de la République. C'est un souci majeur de voir que certains groupes armés se comportent comme de barbares. Mais Jacques, en écoutant ces groupes armés, ils disent qu'ils répondent aux attaques du M23. C'est comme si c'est les rebelles M23 qui commencent toujours à attaquer ces jeunes, entre guillemets, patriotes. Évidemment, oui. Mais les choses doivent s'organiser. Moi, je crois que nous n'avons pas besoin de perdre de jeunes parce qu'une guerre mal préparée finit toujours par un échec. Je crois au départ, on doit se préparer. On doit savoir que nous sommes en guerre, nous sommes aux aguets. Est-ce que ces jeunes, ils étaient là aux aguets? Est-ce qu'ils n'étaient pas dans ce qu'ils ont développé un système de tracasserie? Parce que comment est-ce que tu peux t'appeler Muzalendo et tu crées des barrières pour tracasser encore ta population que tu sembles défendre? C'est ça le débit. Et pourtant, les mots Ouazalendo, ça veut dire patriote. Évidemment, c'est ce que nous, on se demande. Comme c'est que un moment, si tu arrives à ça, que même après ça, que tu vas voir, c'est à partir déjà de Rutoboko, c'est le soi-disant Ouazalendo qui tracasse encore plus que le FRDC. Évidemment, et pourtant, nous, ce qu'on attendait d'eux, c'est qu'ils ont pris les armes par rapport à la misère qu'a traversée la population. Est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir raison? Parce que d'une part aussi, ils n'ont pas un appui du gouvernement. Comment ils doivent survivre, M. Jacques? Moi, je pense que ça sera un alibi.
prendre des armes, c'était d'abord le patriotisme, et il savait qu'il n'y avait pas de soutien. C'est qu'ils devraient vivre selon leurs moyens et pas attendre des dons du gouvernement. Mais aussi, c'est aussi irresponsable de part du gouvernement qui a compris qu'il y a certains jeunes qui se sont sacrifiés pour défendre la patrie, qui les abandonnent et qui ne les ne viennent pas en appui. Mais je ne pense pas, peut-être avec la volonté aujourd'hui, avec tout ce qui s'investit le gouvernement congolais, de voir que ces gens soient abandonnés, que peut-être qu'ils soient aussi assistés, mais comme le Congo est ce qu'il est, nos dirigeants, comme on l'a dit avant, ne prennent pas en considération et ultime le problème de la guerre à l'Est, peut-être que aussi leur assistance est détournée à un niveau peut-être. D'accord, merci Jacques. Donc, on comprend vraiment, et les gens disent que les M23 avancent et appuient certains villages dans les Masisi. La question aujourd'hui, qui veut réellement les Rwandais? Parce qu'on parle M23 aujourd'hui, c'est le Kinshasa, c'est les Rwandais qui est derrière tout ça. Kigali cherchait quoi concrètement? Parce qu'il faut dire bon. Que c'est l'effet qui est en cours. D'une part respecté par le gouvernement à travers les FARDC. Moi, je pense. On ne sait pas ce que veut Kigali, mais ce qui est à savoir, si on peut paraphraser Mzé Kabila, qu'il a dit que nous devons nous lever tous au même moment, avec des lances, avec tout ce qui peut aider à protéger la patrie. Évidemment, parce que ce qu'a dit Mzé, c'est qu'ils ont goûté le miel et ils ne veulent pas laisser. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes victimes de nos richesses mal réparti, mal géré par nos gouvernants. Ça veut dire que nous sommes victimes de la mauvaise gouvernance. Ce qui est là, c'est que les Congolais doivent s'élever et se dire que ça n'est trop. On doit vivre un Congo mieux qu'avant. On doit cesser de vendre nos voix par l'argent en élisant des anti-valeurs à la place de valeurs. Parce qu'aujourd'hui, je pense que selon moi, ce que j'ai souvent dit, c'est que nous sommes victimes de la mauvaise gouvernance. Si un petit pays comme le Rwanda peut nous mettre mal à l'aise pendant 1 ou 2 ans, c'est parce que nos dirigeants, ils ont perdu l'essence patriotique. Le patriotisme, ils sont dans le business, dans le clientélisme, l'amateurisme, et chercher juste à gagner l'argent au sang des Congolais. Pour finir cette guerre, il faut une prise de conscience. D'abord des dirigeants qui comprennent que nous sommes en guerre et que quelle attitude devons-nous prendre. Il faut peut-être reprendre un cours d'éducation à la citoyenneté. Le patriotisme soit un pilier de l'éducation au Congo. Mais nos élus ont aussi un rôle à jouer là-dessus. Hein, mais nos élus, nous représentent. Nos élus, ils viennent d'où? De la population. Et alors? Alors, est-ce que vous êtes bien représentant, voyez tout ce que nos élus font? Non, moi je parle, c'est ce que je parle. Je parlais de la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance commence par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui est l'émanation de nous, peuples. Ça veut dire, comme on dit toujours, chaque peuple mérite ses dirigeants. Voilà les dirigeants que nous méritons. Et aujourd'hui, ce peuple meurtri n'a pas changé de mental. Ils sont en train toujours de dire que moi, je veux un député qui va me donner l'argent. C'est qu'il soit nil, qu'on continue toujours dans ces rythmes. Et voilà, petit à petit, on est en train de perdre la guerre parce qu'on doit d'abord mener une guerre interne. La guerre interne, c'est de chasser ces médiocres pouvoirs et de constituer l'administration congolaise par les gouvernants qui sont capables de répondre aux besoins, aux désidératas du peuple, l'émergence du Congo et le développement du Congo soit leur cheval de bataille. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, il reviendra vers la fin de cet entretien sur cette question-là des Ouazalas du M23. Parlons de cette actualité aussi, monsieur Jacques. Qu'est-ce qui se passe entre les Ouazalas? L'affaire Inosbi semble diviser la population congolaise, s'il faut le dire comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons suivi les différentes vidéos, déclarations par rapport à ce concert de Inosbi à Goma. C'est quoi les problèmes concrètement? Bon, en fait, moi je pense qu'il n'y a pas le problème. C'est qu'il y a deux camps. Il y a un camp des anti-valeurs et des valeurs. Ça veut dire? Le valeur, c'est que nous prenons les valeurs parce qu'on répond tous à l'appel du chef de l'État, qui a appelé tout Congolais à s'élever contre l'agression rwandaise.
Mais les propos de notre jeune frère, qui n'a pas été canalisé vis-à-vis de la situation que nous traversons, et ça a été mal entendu dans le camp des valeurs, dans le camp de gens qui comprennent que, malgré les faiblesses de notre gouvernement, nous devons dénoncer le mal, nous devons dénoncer l'agression rwandaise et montrer aux yeux du monde que nous ne devons pas... Nous devons montrer que c'est Kigali qui est en train d'orchestrer des massacres chez nous. Et c'est ça, au fait, le patriotisme. Un jeune comme Inossa, c'est un ambassadeur du Congo. Inossa, c'est un artiste international. Et j'en appelle même à ces fanatiques-là de Goma qui se disent que non, c'est notre enfant. Mais notre enfant, mais oui. Mais il est consommé sur le plan international. Il y a aussi des Congolais à l'international qui n'ont pas apprécié ses propos. Et voilà que on doit dire à Inos B que peut-être la dame qui aurait même financé les concerts à Goma est en train de tâtonner. Et en tâtonnant, elle va mettre en danger la carrière de l'artiste. Parce qu'aujourd'hui, si ça capote à Goma, on ne va pas voir la dame, on va voir l'artiste. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, des manipulations de part et d'autre, des manipulations de part et d'autre, c'est que nous craignons qu'il y ait des échafaudeurs dans la ville. Parce qu'on voit les Ouazalendes qui sont fâchés, qui disent non, voilà, le conseil n'y aura pas. Maintenant, ça risque de péter. Mais les Ouazalendes qui se disent qu'ils appuient Inossa, c'est ce que moi j'ai publié il n'y a pas longtemps, j'ai dit... Il est très ridicule de faire la campagne Rwanda is killing et de soutenir les propos de Inos B. C'est le contraire, hein, de dire les choses et son contraire. Évidemment, c'est aussi ridicule de voir une vidéo de soi-disant Ouazalendo qui sont en train de combattre l'agression rwandaise et qui viennent en appui à un jeune qui aurait dit que lui, Rwanda is killing, ne les regarde pas. Si le gouvernement échoue, il n'a qu'à juste accepter. Et c'est Ouazalendo là qui appuie les propos de Inos B. Ils doivent alors comprendre qu'ils sont dans une guerre où ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Ça veut dire qu'ils sont là pour tracasser la population. Et ils sont là pour jouer le jeu de l'ennemi. Pensez-vous que c'est déjà... Et voilà pourquoi ces Ouazalendo qui ont parlé en faveur d'Inos B intensifient encore la colère des Congolais, surtout des diasporas, qui se disent comment est-ce que ces énergumènes qui se disent qu'ils sont en train de combattre pour le pays, ils se permettent d'appuyer les propos de quelqu'un qui dit « Rwanda is killing, ne les regardez pas ». Vous comprenez un peu? Est-ce qu'on peut conclure que ces gens-là qui ont fait une déclaration en disant qu'ils soutiennent et énoncent tout ça, c'est Ouazalendo, on peut dire qu'ils soit on les a corrompus, s'il faut dire comme ça? C'est pas ce que j'ai dit, mais pour moi j'ai dit ceci. La dame qui aurait financé ce concert, lui elle ne tient que son concert est lié. Mais qu'elle sache une chose, après les concerts à Goma, la carrière d'Inos B continue. Qu'elle arrête avec je ne sais pas son je ne sais pas si c'est un esprit qui pide ou soit il veut seulement à tout prix gagner l'argent derrière Inos B, de l'entêter. Aujourd'hui, il faut dire à Inos B de s'esquiser. Est-ce que ça sera pas tard? Ça sera pas tard, nous sommes ses frères, le lundi, ça sera la famille. Vous voulez, Jacques, regarde ma cam et dire la vérité. Vous voulez qu'Inos B fasse quoi concrètement à 15 jours de son concert, de ses concerts? Nous, ce qu'on demande, Inos B, c'est notre frère. Et nous savons que l'erreur est humaine. Tout est très faillible. Il a commis une erreur, c'est vrai, ça peut m'arriver, ça peut arriver à tout le monde. Mais l'essentiel, c'est de revenir à la raison. De s'excuser auprès de son public, de s'excuser auprès de son frère, de ses frères congolais qui n'ont pas bien écouté. On n'a pas besoin de se justifier. C'est que même la Bible nous enseigne. Vous voulez attendre. La Bible nous enseigne que je peux être dans 1000 personnes, je lance un message, peut-être que ce message pourra toucher 50 ou 5000, mais les 200 qui seront. Qui capteront mal ces messages pour chercher la paix avec tout le monde. Je dois demander pardon à ces desseins pour créer l'équilibre. Je sais qu'aujourd'hui, on les trompe que non, la plupart les soutiennent, c'est faux. Je pense qu'il va le voir.
s'il continue à s'attêter, il va le voir en Belgique. Il a un concert à Bruxelles. Et je pense que les Congolais là qui se battent jour et nuit dans la rue, qui ont jeté des œufs pourris à Kagame, qui ont crié yo sur Kagame, accepteront Innocent Baloum faire un concert à Bruxelles. Vous comprenez un peu? Quel mot que vous voulez? Non, on ne veut pas de mots. Nous, ce qu'on veut, on oui. conseille notre jeune frère oui. de quitter, de cesser avec l'orgueil, de revenir à la raison. Mais c'est une star. Être star ne dit pas qu'on doit être orgueilleux. D'abord, l'humilité est un caractère inexclusif d'une star. Ça veut dire que Innocent doit demander pardon à son public, à tout Congolais qui a mal interprété ces mots. Il l'a déjà fait, monsieur. Il ne s'est pas excusé. Il a tâtonné sa dernière vidéo de Malabo. Mais le mal, c'est qu'Innocent a la tête mal. Il ne devrait même pas répondre après ça. Après l'incident de TV5, il allait 7 heures. Mais il a porté plainte. Hein. Ça, c'est une erreur aussi grave. Comment porter plainte contre un média qui n'aurait que diffusé une information? Et pourtant, à Kinshasa, on voit des médias, des YouTube qui les viennent pas du matin au soir, mais on n'a jamais vu une plainte. Mais seulement Kinshasa. Il y a les Congolais de diaspora qui ont fait des vidéos farouches contre Innocent. C'est parce que c'est une grosse machine, peut-être. Maintenant, pour nous, ce qu'on veut, on appelle notre jeune frère à revenir à la raison et de s'excuser. Nous sommes ses frères. Ouais. On n'a pas de problème avec Innocent. On veut juste qu'il sort de cet orgueil-là et il emboîte le pas de l'humilité qui demande pardon. D'accord. La vie ne se termine pas à Goma et la vie ne se termine pas dans le concert de le soi-disant humanitaire qu'il a craché d'ici. Je pense qu'il doit s'excuser et après on pourra voir tout ce qu'on peut faire pour peut-être voir s'il pouvait aussi faire un autre concert ou soit continuer avec des concerts de paix. S'il emboîtait aussi le chemin de la paix comme les autres, les Fali Poupa, les Weranson, les Ferregola et les autres. C'est vraiment ça le message qu'on peut donner à notre frère. Merci beaucoup, Jack Sinzaer. Il y a quelques jours, Human Rights Watch a rendu des communiqués, des rapports par rapport à cette guerre. Il y a d'abord le premier rapport qui parle des fausses communes attribuées au M23 soutenu par les Rwandais, les preuves des crimes de guerre manifestes commis à Kishishe devraient en tout cas être préservées selon ces communiqués. Il y a un même communiqué où on parle qu'en tout cas les meurtres et viols commis sans relâche par les M23 sont favorisés par les soutiens militaires que les commandants rwandais apportent au groupe armé rebelle, les M23. Ce rapport affirme en tout cas que la RDC et le Rwanda ont tous dès l'obligation de traduire en justice les commandants du M23 pour leurs crimes ainsi que tout responsable rwandais qui soutient les M23. Comment vous analysez ce rapport de Human Rights Watch, M. Sinzaer? Non, c'est un rapport salutaire, je dirais, mais aussi... C'est pas le premier rapport, mais on n'a pas vu de condamnation. Donc tout ce que vous voulez. Il y a eu le rapport de la CIRGL depuis novembre 2021 qui aurait dit qu'il y a la présence de militaires rwandais au rang de M23. Le monde entier a manifesté un silence notoire et aujourd'hui, nous pensons maintenant que ça sera un débit des sanctions contre le Rwanda et contre le bourreau du M23. Et qu'est-ce qui doit être fait selon vous? Bon, moi je pense que c'est au gouvernement congolais de s'approprier ces rapports-là et de toquer maintenant dans toutes les instances internationales en fait que les coupables soient déférés devant les tribunaux compétents. Les tribunaux compétents, dirais-je. Donc, selon vous, Kinshasa devrait s'impliquer beaucoup plus? Bon, évidemment, c'est déjà un rapport. C'est ces rapports-là qu'on peut amener à Genève, qu'on peut amener à la Cour internationale de justice, qu'on peut amener partout pour que, quand même, réparation soit faite et justice soit faite pour nos compatriotes qui auraient perdu la vie dans cette guerre d'agression. D'accord. Alors,
Jacques, pour finir, peut-être en moins de 2 minutes, comment vous analysez la situation politique au pays, en général? Bon, la situation est chaotique, parce qu'on ne sait pas de quel genre d'élections on veut nous fabriquer, parce que je pense qu'il n'y aura pas d'élections sans Rutshuru, sans Masisi, mais aussi ce que on veut avoir des élections crédibles et transparentes. Donc il faut d'abord finir cette guerre avant d'organiser les élections. C'est pas ce qu'on dit. Bon, si on disait ça, ça sera que il y a aussi une main noire du gouvernement dans cette guerre pour la pérenniser. Parce qu'on voulait, évidemment, mais ouais. La guerre, on la commence, on connaît quand ça commence, mais on ne connaît pas ça, quand ça se termine. Mm-hmm. Et voilà pourquoi que nous, on veut qu'il y ait l'implication du gouvernement. Voilà pourquoi nous, on est en train de lancer l'appel de prise de conscience, que le gouvernement considère cette situation comme sa priorité. Et que le gouvernement cesse avec des pratiques anti-patriotiques. Alors, s'il faut le dire un peu en vague, mais en général, M. Jacques, est-ce que le président Tshisekedi, Azobeta bien ou Azobeta mabe? Bon, dire Azobeta bien, ça serait lui jeter trop de fleurs. Mm-hmm. Dire aussi Azobeta mabe, c'est cracher sur les efforts qu'il est en train de faire. Pour ramener la paix. Certains efforts fournis par les... Pas reconnaître, mais... C'est visible. Il est une graine, selon moi. Une graine est propre dans un sac de graines pourries. Et qui laisse qu'à la longue, lui aussi sera pourri. Non, ça c'est trop quand même. Évidemment, parce que tous les efforts... C'est quoi ces graines qui sont... Tous les efforts qu'il fait, oui. Et qu'il comprend que rien n'échange sur terrain. Je pense qu'il doit prendre des mécanismes et des sanctions sévères. Là, vous voulez dire qu'il y a les mauvaises personnes qui l'entourent, c'est ça? Mais évidemment, est-ce que jusqu'aujourd'hui, on a amélioré les conditions de vie des policiers ou des militaires? On ne gagnera pas une guerre aussitôt qu'on a des policiers, des militaires mal payés, mal équipés, sans cantine, où leur famille meurt de faim chaque jour. Mais il y a quand même des avancées sur ce plan, genre. Quelle avancée, monsieur? Mais renseignez-vous bien. Mais regarde un peu, nous sommes en plein état de siège où il y a des militaires, des policiers qui vivent dans les camps Mounzenze, mais le gouvernement se permet aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de vouloir déguerpir plus de 1000 familles de policiers dans les camps. Monsieur Jacques, pardon. Attends, il reviendra prochainement. Si tu m'as posé la question, oui. Je réponds. Oh, il reviendra. Je pense qu'il faut, il faut une prise de conscience. Oui. Est-ce que ces enfants des militaires, ils vivent dans de bonnes conditions? Parce que lorsqu'un militaire va... Moi, je l'ai dit, dans d'autres pays, le premier, donc, l'enfant chéri du gouvernement, c'est le militaire. Ça veut dire qu'on doit d'abord penser aux militaires dans le budget avant de penser à toute autre personne. Il y a 3 catégories. Mais tous les copains sont égaux, monsieur... Ils sont égaux, évidemment. Oui. Mais il y a ceux qui se sacrifient plus que les autres. Le militaire, il meurt au front jour et nuit. Il passe de nuit... dans des conditions difficiles pour juste qu'on ait cette petite paix que nous avons aujourd'hui. Et là, je pense qu'ils doivent être les premiers à être bien traités dans ces pays et avoir une considération. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Jacques. Je vois qu'il y a un dossier très sensible et qui demande assez de matière, assez d'éléments. La question spoliation, question déguerpissement, je ne sais pas, Moses et tout ça, on va chercher assez d'éléments, on reviendra vers vous. Peut-être pour un peu développer cela, mais nous avons largement dépassé nos minutes. Merci, M. Jacques, d'avoir été là. Je ne sais pas si vous avez envie de transmettre un message. Non, le message, c'est seulement de dire au peuple, nous approchons les élections. La Constitution nous donne ces pouvoirs-là de nous choisir nos dirigeants. La base de la gouvernance, c'est l'Assemblée nationale. Si nous avons des députés sérieux patriotes, je pense qu'on aura aussi un président sérieux et patriote. Merci beaucoup. Pour ce plan-là de choisir les élus, que ce soit députés nationaux, provinciaux, là je suis d'accord avec vous parce que visiblement on voit un peuple congolais qui porte en tout cas son soutien au président Tshisekedi et je crois qu'il aura son deuxième mandat. Merci beaucoup, monsieur Jacques, d'avoir été là. On se fixe rendez-vous à la prochaine fois. Merci. Merci, bye bye.